Le célèbre humoriste sénégalais Samba Sine, surnommé affectueusement Koutcha, est l'un des nombreux survivants de la COVID-19. Après des moments de célébration de sa sortie de maladie, il est confronté à la stigmatisation. C'était très dur parce que, tu sais, il y avait plus de 5 personnes là-bas. Donc chaque jour, on m'annonçait la mort de quelqu'un, il ne sait que moi. Donc le dernier jour où j'ai tourné à droite, j'ai vu qu'il n'y avait plus personne. J'ai tourné à gauche, il n'y avait plus personne, il n'y avait que seulement moi. Et donc là-bas, j'ai eu peur. Et donc tu vois. Ostracié dans sa communauté, découragé d'aller à l'hôpital, il est constamment soupçonné de propager le virus. Je pense que fuir des gens qui sont malades, ça les rend encore plus malades psychologiquement. Je pense que c'est l'occasion de les souhaiter bon rétablissement, de les encourager, mais pas de les fuir et de les. Tu vois, moi je pense que ça c'est vraiment c'est un racisme médical. Koutcha a été testé positif à la COVID-19 au début du mois de mai et a depuis fait face à ce qu'il appelle le racisme médical. Il plaide pour un comportement plus positif envers les survivants de la COVID-19.